C'est l'été et cette année, on va changer le fonctionnement sur Prépa et Performance. Je vous explique tout ça tout de suite, c'est parti. Cette année et avec le bilan des années précédentes, j'ai décidé de stopper la publication de vidéos. En effet, c'est une période où les résultats sont en chute libre puisque beaucoup s'éloignent des écrans et c'est une bonne chose. Par conséquent, les vidéos publiées à ce moment-là s'enfoncent dans les méandres de YouTube. Ainsi, avec 2 mois d'interruption franche, je vais pouvoir avancer sur 3 projets en cours de finalisation. Le premier sera une série de vidéos qui, je l'espère, pourra vous intéresser. Elle proposera un contenu un peu plus mainstream que les vidéos habituelles, sans pour autant perdre la ligne directrice de prépa et performance. J'espère vraiment que ça pourra vous plaire car j'y ai investi beaucoup d'énergie. Ensuite, le second projet sera la première formation numérique de prépa et performance. Malgré mon envie de proposer un maximum de contenu gratuit à travers la chaîne, les conditions de YouTube ne permettent plus d'entrevoir une production autonome. Entre le temps investi, le matériel, les déplacements et tout ça sur plusieurs années maintenant, l'addition commence à être salée. Puisque l'on a reçu beaucoup de demandes allant dans ce sens, j'ai conclu ces dernières semaines que ça pouvait être une bonne solution pour continuer à faire vivre ce projet. J'en profite d'ailleurs pour remercier celles et ceux qui participent par un don financier au développement de Prépa et Performance. Je ne vous oublierai pas en temps voulu et vous bénéficierez de belles offres concernant ces formations. Pour vous en dire un peu plus sans pour autant tout dévoiler, je vous prépare une formation sur la course à pied et une autre sur la musculation. Puisque ce sont deux des sujets qui suscitent beaucoup de vues et d'échanges sur la chaîne, je me suis dit que ce serait intéressant pour toucher un maximum de monde. Et sans rentrer trop dans les détails, ces formations vous permettront de mettre en place un contenu réellement individuel en fonction des besoins pour enfin mettre à la poubelle les programmes tout faits que l'on trouve sur internet. Dans le meilleur des mondes possibles, elle devrait sortir début 2024. J'espère que ça ne prendra pas trop de retard, mais vous tiendrez au courant de l'avancée de tout ça. Et évidemment, si vous avez des questions ou des suggestions à ce propos, je vous laisse utiliser la section commentaires. Enfin, le troisième et dernier projet, et le plus conséquent des trois, je ne peux pas encore vous en parler. Mais croyez-moi, je pense qu'il intéressera la majeure partie des auditeurs de Prépa et Performance. Je vous en reparlerai dans les prochaines semaines. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un très bon été et une bonne préparation à tous ceux qui débutent une nouvelle saison sportive. Soyez à l'écoute de vos besoins et surtout restez réflexifs par rapport à tout le contenu d'entraînement qu'on vous proposera. On se retrouve très bientôt pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut !